Bonjour Willy, c'est Thomas. Bonjour Thomas. Willy, tu peux me dire ce que c'est qu'un chemin rural ? Alors vois-tu, un chemin rural, c'est un chemin qui est affecté à l'usage du public, mais qui appartient quand même toujours au domaine privé de la commune. Et ils servent à quoi ces chemins ruraux ? À l'origine, les chemins ruraux servaient à relier les maisons entre elles et à permettre les activités de l'époque du monde agricole. De nos jours, tout ça a forcément beaucoup évolué. Ce sont les routes et les autoroutes qui nous permettent de nous déplacer. Et les chemins ruraux ont malheureusement pour certains disparu ou sont très mal entretenus. Il en reste ? Il y en a combien encore ? Les chemins ruraux représentent aujourd'hui environ 750 000 km sur le territoire national. Alors, faute d'une reconnaissance suffisante, évidemment, avec le temps, ces chemins ont subi de multiples atteintes. De leur disparition, souvent, à la réduction de leur emprise, malheureusement, à la seule bande de roulement. Pourtant, à eux seuls, ils forment une trame naturelle d'une richesse inestimable pour la faune et la flore. Un de nos souhaits est de démontrer que l'on peut parler de nature tout en parlant de territoire façonné par l'homme. C'est vraiment le cas pour les chemins ruraux. Nous voulons les voir revivre et montrer qu'avec cet exemple, exclure les activités humaines des territoires n'est pas une fin en soi. Et puis tu vois Thomas, je suis intimement convaincu que c'est en associant les hommes à la gestion des territoires que nous pourrons les améliorer. Et cela, évidemment, contribuera aussi au maintien et au développement de la biodiversité. C'est pour cela que le monde de la chasse a pour volonté de coordonner les actions de restauration et surtout d'entretien de ces chemins ruraux. Et pourquoi ce sont les chasseurs qui s'en occupent ? Thomas, les chasseurs sont les premiers écologistes de terrain. Qui s'occupe mieux que les chasseurs des biotopes ? Qui préserve au mieux les espaces et les espèces ? Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on s'attaque tous ensemble aujourd'hui, et tous les acteurs de la nature, aux chemins ruraux. Si à la base, la motivation première des chasseurs est la préservation de la petite faune sédentaire de plaine, comme la perdrix, très chère à nos yeux, ces aménagements de bord de chemin, comme la plantation de haies, recréer un maillage de biodiversité favorable à l'ensemble de la faune et la flore. Et en plus, cela permet bien sûr de lutter contre l'érosion de nos sols. Et s'occuper des chemins, ça va prendre du temps. On a la passion pour cette nature, on a la passion pour ces espaces, donc du temps on en passe. Tu sais, la chasse, c'est 78 millions d'heures bénévoles en dehors de l'acte de chasse. C'est tout ce temps qu'on passe pour que la nature soit plus belle. Moi, on m'a dit que pour sauvegarder la nature, il ne faut pas que l'homme puisse y aller. Tu as raison, on a beaucoup parlé de ça, et il s'est fait beaucoup de choses. Mais tu sais, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, on se rend compte quand même bien que quand on enlève l'homme d'un espace, et quand on retire la main de l'homme d'un espace, cet espace se meurt tout doucement. C'est notre fonction, Thomas. Préserver la nature, mais aussi la façonner. La vivre, mais la vivre de l'intérieur. La préserver avec amour, comme on le fait tous les jours, mais le faire également dans la gestion des espaces et des espèces. Et puis ces chemins ruraux, c'est un espace formidable pour y pratiquer des activités de loisirs, comme les randos à pied ou à cheval, ou même encore comme toi, pour y pratiquer le VTT. Merci Willy, à bientôt. À bientôt Thomas.